Food Santé est une entreprise qui est spécialisée dans la production et dans la transformation des produits agroalimentaires. Donc nous faisons tout ce qui est bouillon 100% naturel, des jus à base de betterave, des céréales et des thés infusions, voilà, issus de notre production. Nous cultivons, parce que ici, nous cultivons des produits qui sont destinés à notre unité de transformation. Donc voilà pourquoi nous faisons multi-production, telles que la betterave, la carotte, les plantes aromatiques telles que le persil, le céleri. Nous faisons aussi du gombo, du chou, voilà, ainsi de suite. Tout ce qui est légumineuses et plantes aromatiques. Notre culture, elle est saisonnière selon les produits, puisque à chaque produit son temps. Donc, on doit essayer de. Nous faisons des programmes de bons calendriers de production adaptés vraiment à notre besoin. Donc, la production sur le site de Food Santé se fait durant toute l'année. Donc, ma carrière entrepreneuriale, je l'ai commencée au lycée à 14 ans, lorsque je devrais quitter le lycée pour l'université. Donc, avec un fonds de 10 000 francs CFA que j'ai pu mobiliser, donc, je me suis lancé dans la production agricole, donc, avec un peu de difficulté à l'appui et de courage. Donc, je me suis en sorti. Aujourd'hui, au début, on était sur 20 mètres carrés. Aujourd'hui, on est plus d'un hectare d'exploitation. Donc, aujourd'hui, à Food Santé, ça va, ça va. Nous avons pas mal de difficultés. Comme tous les jeunes entrepreneurs à leur début, ce n'est pas un peu facile. Donc, le marché, quand même, il y a le produit, il y a les produits qui s'achètent super bien. Ben, souvent, les problèmes d'accès à des financements assez modernes pour pouvoir lancer une plus grande chaîne, c'est ça, c'est l'un des problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés en ce moment-ci. Nos cultures sont un peu conventionnelles, on dirait. Voilà, vu que dans cette dynamique, je pense que l'Afrique aujourd'hui ne peut pas se lancer, surtout sur cette côté bio, vu que les pays qui sont vraiment développés, qui en ont une autosuffisance alimentaire, peuvent se lancer. Mais aujourd'hui, nous utilisons cette solution conventionnelle pour pouvoir en produire. Exactement, je fais profiter mes expériences à pas mal de jeunes, surtout dans le continent, à travers ma page Facebook qui est Adama Kanté officiel, Twitter aussi. Donc, je fais des vidéos de motivation, des vidéos sur l'agro-business en général pour pouvoir inspirer plus de jeunes vers la révolution, la nouvelle révolution qui est agricole, qui serait agricole. Ben, comme conseil donné à mes frères africains, c'est que l'immigration n'est pas une solution. Le fait d'abandonner n'est pas aussi une solution pour ce continent. Donc, moi, de mon mieux, j'insère les jeunes à travers les mouvements, mon mouvement que j'ai mis en place, qui est les samedis pour l'entrepreneuriat, à travers laquelle nous cherchons, même si ce n'est pas des financements, nous quand même appuyons des jeunes à pouvoir concrétiser aussi leurs projets. Puisqu'on voit que beaucoup de jeunes ont des business plans, mais n'arrivent pas surtout à se lancer. Donc, ils sont vraiment focalisés sur leur business plan, mais nous, on les aide vraiment à pouvoir concrétiser leur activité. Mais le plus essentiel, quand même, ça va dépendre du jeune. Voilà, c'est surtout de pouvoir choisir un secteur qui lui passionne vraiment et dont il veut vraiment faire carrière dedans. Donc, ce n'est pas seulement le courage qu'il faudra, c'est surtout la persévérance. Oui, au début, ce n'était pas ma passion. Au début, l'agriculture n'était pas ma passion. C'était fait à vocation de pouvoir payer ma scolarité. Mais vu le milieu, la nature vraiment dans laquelle je me suis plongé, j'ai été vraiment passionné. Et aujourd'hui, je vois que j'ai Food Santé. Ma vision, surtout un entrepreneur, je ne penserais pas qu'il doit avoir quelque chose comme 10, 5 ans. Moi, je prendrais plutôt 10 ans. C'est de pouvoir avoir presque 5 entreprises qui sont installées dans le milieu agroalimentaire et dans le milieu agro-business. Donc, et pour Food Santé, c'est d'être vraiment l'un des acteurs les plus influents du marché agroalimentaire, surtout en Afrique.